Le sango est un jeu traditionnel béti qui est composé de 7 cases pour chaque jour, en fait, pour dire au total 14 cases, et chaque case contient 5 pions. Et les pions se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le sango en lui-même comporte 70 pions répartis sur 14 cases, donc 7 de chaque côté. Et chaque case a 5 pions au départ. Maintenant, pour gagner, il faut prendre un minimum de 40 pions pour avoir la victoire. Ça veut dire en clair que on peut avoir un nul. Dans le cas où on ne peut pas engranger 40 pions. Si on a 31 pions, ça veut dire on a nos 35 moins 4. Parce que le sango se gagne à 5 pions. Apparemment, il y a deux joueurs, mais chaque joueur a des soutiens, comme vous voyez, par exemple, dans ce cas. Parce qu'en fait, le sango, comme beaucoup de jeux modernes, c'est certes un jeu traditionnel, mais il y a des soutiens de part et d'autre. Ce soutien-là a dans le principe de la solidarité africaine. Pour faire un match nul, il faut avoir au moins 31 pions. Et la victoire, ce sera 40 pions. Ça veut dire qu'on a d'abord les 7 cases, c'est 7 cases plus une case chez l'adversaire. C'est mauvais. Il est resté fermé. Voilà, oui, oui. En laissant la condition. Bien joué, Jean. Non, non, toujours. On t'aime. Il le fait ça. Là, tu joues. Là, je frappe, alors. Non, non, tu joues. Là, c'est du jeu. Hein? Pour moi, c'est pour enlever un peu le stress du travail. Après le boulot, on doit rentrer un peu, s'amuser avec des frères, des amis du quartier. C'est une passion pour moi. Je joue au sango depuis pratiquement 25 ans aujourd'hui. À travers le sango, nous tissons des liens d'amitié, les liens de fraternité. En ce qui concerne les variantes, il y en a plusieurs, selon peut-être les clans ethniques. Il y a les étonnes qui ne bouffent pas ce qu'on appelle les pions, ils ne prennent pas 4 pions. Or, la variante Bétier Wondo, on prend jusqu'à 4 pions, de 2 jusqu'à 4. Et la variante Wondo, même à sa spécialité, on bouffe un seul pion, ce qui ne se fait pas dans la variante Étonne. Chant de Fayon. Le sango, d'abord, c'est un jeu qui permet à tout le monde qui est initié de pouvoir participer. Donc, dans cette optique, il y a différentes personnes qui viennent de différentes aires culturelles pour qu'on soit ensemble.
pour que on joue ensemble. Même si le principe du jeu de Songo, son origine, est Fambeti, au-delà du Fambeti, il y a d'autres personnes, d'autres aires culturelles qui peuvent jouer. À ce moment-là, ces personnes doivent simplement s'imprégner des fondamentaux, des règles du Songo. Et c'est dans ce cadre que nous, dans notre club Songo des Sos, nous trouvons des joueurs qui viennent de différentes origines et de différentes aires géographiques. Ça, c'est bien joué. Là, il ne peut plus avoir 8 toujours. Cet aspect, ce volet-là. Ils vont faire le montage. Les Songo sont vraiment devenus.